Je suis le frère Hardy Levit Chibaou. Je vais faire un titre, Son ange marche devant moi. Sa bouche, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Je combattrai ceux qui te combattent, ils seront sûrement ton marchepied. Je fais de toi une grande nation, un peuple qui porte mon nom. Alors, pourquoi pousser des cris? La victoire est dans les camps. Ainsi m'a dit le Seigneur, son ange marche devant moi. Dans les orages et les tempêtes, son ange marche devant moi. Dans les moments les plus critiques, son ange marche devant moi. Dans les souffrances de la vie, son ange marche. Alors pourquoi trembler? Pendant sa serment un mot, tout va changer. Sûrement, tout va changer. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. A dit la bouche de Dieu pour tout d'elle. Une bouche dans laquelle ne peut sortir un mensonge. L'aide de l'aigle ajoute qu'un homme rempli du Saint-Esprit est un ambassadeur mandaté par le ciel. Lorsque Dieu vous envoie, il vous équipe complètement de tout ce dont vous avez besoin. A dit la bouche autorisée, aucun démon de l'enfer ne peut mettre ses sales mains sur vous. Car le ciel tout entier est derrière vous pour vous protéger. Ainsi m'a dit le Seigneur, son ange marche devant toi. Quand tout devient difficile, son ange marche devant moi. Dans mes moments les plus sombres, son ange marche devant moi. Même quand je prie, il n'y a pas de solution. Son ange marche devant moi. Même quand mon ciel devient tout nuagé, il me dit pourquoi trembler. Pendant ses mots, tout va changer. Pourquoi t'es lamenté? Pendant ses mots, tout va changer. Jésus fut un jour dans la barque. Alors que Jésus dormait, une forte tempête s'éleva. Il commença à pleurer à ses monologues disant, nous allons mourir, nous allons tous périr. Mais quand il réveilla Jésus, mon Dieu calma la tempête. L'ange de l'Éternel se tiendra entre toi et l'ombre de la mort. Réveillons simplement Jésus, il va calmer la tempête. Il est là dans ta barque, il va calmer. Même si la tempête, c'est le chômage qui te dérange. Il va calmer. Même si la tempête, c'est les enfants rebelles à la maison. Il va calmer. C'est la femme têtue à la maison. Il va calmer. Même si la tempête, c'est tes problèmes de finances. Il va calmer. Même si la tempête, c'est ses problèmes de mariage. Il va calmer. Même si la tempête, c'est tes problèmes familiales. Il va calmer. Alors pourquoi trembler? Prononcez ces mots.
Quand l'ange de l'Éternel marche devant, alors tout est rassuré et tout peut changer. Que le Seigneur vous bénisse.